You know what this is, Tramp? It's a letter from Lincoln. Letter from Lincoln to him. They shared a correspondence during the war. They was pen pals, and this is just one of the letters. Ce qui est frappant dans Les 8 salopards, c'est à quel point Jennifer Jasoni crève l'écran dans son rôle de Daisy Domergue. Et pourtant, dans une grande majeure partie du film, elle n'a que très peu de répliques. Alors comment s'y prend-elle? Comment fait-elle pour illuminer chaque scène de sa présence, malgré le peu de répliques qu'elle a à défendre? La raison principale est que Jennifer Jasoni montre dans ce film qu'elle maîtrise à la perfection le fil de pensée de son personnage. Christian Bale le disait très bien, je pars du principe que dans chaque scène, même si votre personnage est silencieux, il aura un monologue intérieur qui ne s'arrête jamais. Ce que je fais souvent quand je commence à travailler un personnage, c'est d'écrire puis d'apprendre ce monologue intérieur. Ce dont parle Bale, c'est donc de créer le fil de pensée de son personnage. Cela permettra à l'acteur de ne plus du tout avoir le sentiment de jouer, mais de réagir à tout ce qui se passe dans la scène en tant que personnage. Tout sera terriblement vrai. Votre personnage pensera peut-être à la conversation qu'il mène à l'instant T, ou peut-être qu'il pensera à autre chose qui n'a rien à voir, comme on peut le voir dans le film The Informant, où l'on entend dans certaines scènes le fil de pensée du personnage de Mark, interprété par Matt Damon. Now what happens? Something you breathe in on an airplane. Some little bacteria, and now it's in his hands, the cup, the phone. Probably got it from his kids, and now I'll spend the weekend with it in bed. En tant qu'acteur, le défi sera donc de recréer de A à Z le fil de pensée du personnage au fur et à mesure de la scène. Comme le système de pensée de quelqu'un découlera tout naturellement de sa personnalité, il convient de commencer par construire minutieusement son personnage. Dans Les 8 salopards, Jennifer Jason Leigh incarne Daisy Domergue, une hors-la-loi faisant partie du gang Jody Domergue, dont son frère Jody en est justement le chef. En termes de construction de personnage, elle est donc partie sur une femme qui n'a peur de rien, ni de personne. Une braqueuse endurcie et une meurtrière sans pitié. Elle est raciste, grossière et provocatrice. Okay, boy, we'll give it a try. You leave them two pistols over yonder with the driver. Hey, you ain't really gonna let that nigger ride in here, is you? I mean, maybe up there with OB, but... How you like the sound of them bells, bitch? They're real pretty, ain't they? You open up your trashy mouth again, I'll knock out them front teeth for you. You got it? Et si vous la vexez, elle est capable de vous trancher la gorge dès que vous aurez le bout tourné. Elle fait penser à un garnement dangereux qui a un grain, mais qui a oublié d'être un âne. À la fin du film, quand elle essaie de convaincre Chris Mannix de la libérer, on la sent parfaitement capable de maîtriser une négociation. Daisy Domergue est donc une hors-la-loi endurcie et dangereuse. Au début du film, bien qu'elle ait été capturée par John Root, le chasseur de primes interprété par Kurt Russell, elle sait que son frère l'attend avec son gang à la mercerie de Minnie pour la délivrer. Dans cette diligence, elle sait donc des choses que les autres ne savent pas encore, et elle ne veut pas dévoiler son jeu. Alors lorsqu'il croise en chemin le major Marquis Warren, interprété par Samuel L. Jackson, qui leur demande de les prendre en stop jusqu'à Red Rock, elle va assister à leur conversation de manière un peu absente, parce que d'une part, telle est la nature de son personnage, et d'autre part, elle sait très bien qu'elle ne sera plus captive très longtemps. Tout au long de cette scène, l'écoute active dont elle fait preuve est saisissante et influe sur le fait que bien qu'elle n'ait quasiment aucune réplique à défendre, elle crève l'écran. Elle se comporte comme pourrait le faire un enfant mal élevé lorsque dans un centre commercial, sa mère discute avec une amie.
Ça s'éternise, il s'ennuie, alors il marque son indifférence à la conversation de manière incongrue. L'effet est immédiat. Elle occupe le cadre sans le parasiter et fait vivre la scène quand bien même elle ne dise rien, ou presque. Tout au long de cette scène, Jennifer Jason Leigh suit le fil de pensée de son personnage à la perfection. Idem lorsqu'ils arrivent à la mercerie de Minnie pour y faire étape afin d'éviter le blizzard, lorsque John Root présente sa prisonnière aux occupants de la mercerie. Grâce à son écoute active parfaite, Jennifer Jason Leigh participe au côté comique de la scène, rapprochant le duo qu'elle forme avec John Root à celui d'un numéro de clown, le clown blanc et l'Auguste. John Root est ici le clown blanc, toujours sérieux et rationnel, et Daisy Domergue l'Auguste, outrancière et volubile. Elle occupe ce plan large par son jeu corporel et fait vivre son personnage quand bien même elle ne parle pas. Toujours dans cette scène d'ouverture dans la diligence, Jennifer Jason Leigh montre à quel point elle maîtrise le jeu en fonction de la valeur de plan et le fil de pensée de son personnage en une seule action. Lorsque John Root lui fait ça. Ce coup de coude est l'élément déclencheur de ce qui va suivre. Now, Daisy, I want us to work out a signal system of communication. When I elbow you real hard in the face, that means shut up. You got it? I got it. Lorsqu'elle se rend compte que même le Major Warren se fout d'elle, un noir qui se fout d'elle, rappelez-vous qu'elle est raciste, ça lui plaît pas du tout. Et vexée, elle va donner un premier indice au spectateur qu'elle sait très bien ce qui va se passer par la suite. Que non seulement John Root, mais également maintenant le Major Warren, vont se faire buter par son frère. On ne se moque pas, impunément, de Daisy Domergue. Son fil de pensée ici va se lire dans le clin d'œil qu'elle adresse au Major Warren, à son sourire et à son regard. Et le message qu'elle lui envoie est clair. Continue de te foutre de moi, tu vas vite te manger une balle dans le crâne, tu sais pas à qui t'as affaire. Alors pour illustrer tout ça, elle fait ça. Hey little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will... You overrate him, nigga. I give you he got guts, but in the brains department, you're like a man who took a high dive in a low well. Now, Daisy, I want us to work out a signal system of communication. When I elbow you real hard in the face, that means shut up. You got it? I got it. Si on analyse ce que Jennifer Jason Leigh doit jouer à ce moment-là, c'est loin d'être simple. Le plan est un plan poitrine, elle devra donc passer ce qu'elle doit faire passer uniquement avec le visage et avec les épaules. Elle n'a pas de dialogue sur lesquels s'appuyer, tout devra passer par l'attitude et le regard. L'indication est la suivante, quand tu te relèves, tu dois calmer par ton attitude et par ton regard un major de l'armée. Autrement dit, pas n'importe qui non plus. Et le tout doit être méchamment stylé, parce que rappelle-toi, je m'appelle Quentin Tarantino. En d'autres termes, tu dois passer en quelques secondes du rang de victime ridicule qui a le nez éclaté, à celui de méchante, badass, stylée, qui même avec le nez éclaté, a du style. Pas évident du tout à jouer comme plan, le genre de plan qui sera soit le summum du ridicule, soit le summum de la classe. Et pourtant, avec ces cartes-là en main, Jennifer Jason Leigh nous fait une masterclass. Hey little apple blossom, what seems to be the
troubles too. They don't really care for you. La raison pour laquelle c'est une masterclass, c'est que tout au long de la scène, Jennifer Jason Leigh est le personnage. Elle est Daisy Domergue, et donc pense en tant que telle, du début à la fin de la scène. Dans Les 8 salopards, l'interprétation de Jennifer Jason Leigh est un modèle du genre. Elle connaît à la perfection son personnage et les 88 touches qui le constituent. Et telle une funambule touchée par la grâce, reste toujours en équilibre sur le fil de pensée de son personnage, sans aucune fausse note. Nombreux sont les personnages dans les films qui n'ont pas beaucoup de répliques. À la réception d'un scénario, un acteur pourrait s'inquiéter de ne pas avoir assez de matière à défendre s'il s'apercevait qu'il a très peu de répliques à prononcer. Mais c'est prendre le problème à l'envers que de penser de cette manière. Il sera plus approprié de se donner le défi que quand bien même on ait peu de répliques, on n'en crèvera pas moins l'écran grâce à la maîtrise de son fil de pensée. Si le fil de pensée d'un personnage est clair et en adéquation avec la nature profonde de celui-ci, un acteur aura beau n'avoir aucune réplique à l'écran, il n'en restera pas moins captivant. Ainsi, la prochaine fois que vous recevrez un scénario et que vous vous apercevrez que vous n'avez que très peu de répliques à défendre, donnez-vous le défi suivant. À chacune de mes apparitions à l'écran, ce que je proposerai sera tellement vivant que le silence de mon personnage contaminera le public qui sera suspendu à mes lèvres. Ainsi, mon personnage ne sera plus le seul à être silencieux. Georges Perros le disait très bien, le silence du public et la récompense du comédien. Still I breathe. Still I breathe. Still I